Allez, notre argent est revenu. Ça veut dire qu'on peut attaquer cet homme parce qu'est-ce qu'il a des alliances, lui? Ouais, il a Kilitich. Il s'est marié vraiment avec tout le monde, quoi. Ispahan, on peut gérer. Enfin, celui-là, on peut le gérer, quoi. Sincèrement, on peut le gérer. Lui, 5000 troupes. Lui, 3000 troupes, 8000. On est bien, quoi. Le problème, c'est lui. Alors, il est en guerre actuellement. C'est par quel mariage? Il a tellement de, voilà, de concubines, etc., que c'est horrible, quoi. Donc, il faut que je trouve une solution. Pour attaquer les Dulafides et gagner ce territoire. Si je le gagne, derrière, les Safarides, c'est presque une partie de plaisir, quoi. Et là, ça serait très bien que les Maharajas gagnent la guerre. Ça affaiblirait les Abbasides. Si les Abbasides perdent leurs armées, regardez, 34 000 troupes, vous voulez faire quoi, quoi? Et j'ai la foi manichéenne qui se répand comme c'est pas permis, quoi. Oh là. Pas faute d'essayer de convertir, hein, mais alors. Pour ça qu'il nous faut les lieux saints pour que ça ne se convertisse plus et que notre foi triomphe, qu'il n'y ait pas d'hérésie en fait. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Bon, 7 juillet ici. On gagne quand même des territoires, donc ça c'est déjà ça. On en perd pas trop par rapport à ce qu'on pourrait perdre. Donc ça reste correct. Oh, il a plus de pacte! Donc, déclarer la guerre, appuyer toutes les revendications. Voilà, on va faire comme ça, appuyer toutes les revendications. On lève toutes nos armées. Là, je suis partant, clairement. Alors, ça nous met encore un peu plus en contact avec... Avec l'Empire, mais tant pis. Moi, après, c'est pouvoir attaquer l'Empire qui m'intéresse. Récupérer le territoire de Nishapur. Et faire un massacre. Bonne nuit, Odiel. Ouais, je regarderai ça, merci. Donc là, on a attaqué, il n'avait pas d'alliance du tout. Donc ça, c'est bien. Pourra faire pareil avec les Safarides, si on peut, si on a des revendications dessus. Alors, j'ai une propriété qui est là. Je vais t'accorder le titre de la propriété. Voilà. Comme ça, plus de problème de perte de territoire. Ça m'arrange pas forcément, mais... De perdre cet argent-là, mais au moins je sais qu'il sera bien utilisé. Et on va maintenant conserver l'argent pour partir en guerre contre les Abbasides. On n'aura pas vraiment le choix, hein, je pense. Le problème, c'est que les Abbasides, voilà, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, et ils arrivent à prendre des territoires complets. Et on n'a pas l'air de pouvoir faire grand-chose, quoi. Donc c'est pour ça. Nous, il faut qu'en fait, pour par exemple 4 territoires perdus, on en récupère 6 pour toujours être gagnant et si possible des territoires qui sont meilleurs que ceux perdus. Ce qui est compliqué, mais c'est un peu l'objectif là actuellement. Et en termes d'argent, on perd toujours un peu d'argent pour l'instant. Parce qu'on lève beaucoup trop d'armées aussi. Alors on en perdra beaucoup moins quand on lèvera que les armées de nos vassaux. Et que les territoires nous rapporteront suffisamment d'argent aussi. Ce n'est pas le cas de partout.
Ce territoire-là, il est revenu à qui? Est-ce du clan? Ça m'arrange pas que tu aies récupéré ce territoire-là. Ça m'arrange pas beaucoup que des enfants récupèrent des titres de duc. Moins 16%. Ah oui, quand même, les territoires tombent très vite de ce côté-ci. Après, est-ce que Kiva est quand même plutôt très prospère, économie en plein essor, ça c'est très bien. Et ça serait à prendre, ça. Par exemple, Ispahan, attaquer. Les Safarides, il y a plein de territoires qu'on aura à récupérer parce que ça se révolte. Et malheureusement. Malheureusement, c'est pas au bon moment. Croisade pour Jérusalem, ça c'est bon ça. Qui se prend la croisade sur la tête? Oh, l'Empire se prend la croisade sur la tête. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Puisque ça veut dire qu'on pourra faire la guerre sainte pour récupérer ce nouveau territoire ici. Et par contre, on est mort, dommage. Donc, Sha Pachang III n'est plus de ce monde. Il est mort de cause naturelle à l'âge de 64 ans. Sa patience était sa vertu, mais il n'a en effet jamais perdu son sang-froid. Un homme qui fit ainsi preuve de dévotion et qui a rejoint Ahura Mazda à présent. Sha Karmandar lui succède, ayant une abondance d'amis. Il trouvera probablement du soutien pour son règne. Longue vie à Karmandar, désormais notre chat. Très bien. Ce qui veut dire que. Il nous faut cet homme-là qui va nous rapporter de l'argent. Il nous faut un régent. T'as une femme? Daria. Est-ce que Daria, notre femme? Oui, très bien. L'action spéciale ici, ce sera bien. Un intérêt pour la famille, ce serait très bien. Est-ce que tu peux avoir des concubines de disponibles ici? 44 ans, 38 ans, 19 ans. Ça c'est pas mal. Pas de concubines ici, c'est pas mal aussi. Ah, dommage, elle est consanguine, mais le trait génie pourrait être intéressant. On va essayer. Non, on peut pas. D'accord. Dommage. Beg, c'est hors de question. Euh, 17 ans, ça on prend non plus. Et ils veulent jamais, c'est pas possible ça. Alors, 25 ans. Alors, 23 ans. Oui, ça passe. Hein. Ça passe, ça passe, ça passe. Déjà, là, on va faire avec. On va voir pour avoir des choses en plus. Un enfant, éduquer enfant. Ça passe. Territoire-là, on peut pas le garder. Donc, on va le donner à un homme qui serait plutôt bon. Ils sont exécrables, les gars, qu'on a disponibles. Hein. Ah, mais je suis pas tout en haut aussi. C'est peut-être pour ça. Allez, toi tu vas espionner et toi tu vas fabriquer des revendications chez les Safarides. Ok. Ah, on a perdu la guerre pour le coup. Enfin, faut la recommencer. Ok. Pourtant, on a bien les revendications qu'on a conservées, donc on devrait pouvoir le déclarer la guerre. Donc que des guerres saintes, on peut déclarer. Les Abbassides, bah pour l'instant, ils se tapent un peu tout le monde sur la tête, ça me va très bien. Il a le Balouchistan qui ne l'a pas rejoint dans sa guerre pour l'instant. Ok.
C'est dommage, on avait une revendication sur un duché, on ne peut pas la récupérer, c'est dommage. Toi, est-ce qu'on peut te déclarer la guerre? Bref, on pourrait faire une guerre sainte pour ça, mais c'est un peu compliqué. On pourrait attaquer les Safarides. On pourra en profiter pour attaquer les Safarides, très sincèrement, sur un duché qui serait intéressant. Voilà, le Sistan, par exemple. Un très bon diplomate, ouf, ça serait pas mal ça. En fait, l'Empire byzantin, il fait rien. Oui, pour une fois, il fait rien. Mes chats ressemblent de plus en plus à des Khans. Oui, c'est en fait du fait qu'on soit marié pas mal avec des gens de la famille des Khans. Donc il y a des traits de visage qui se ressemblent. Et en fait, l'Empire byzantin, depuis un bon moment, il a rébellion sur rébellion, en fait, hein, pour affaiblir l'autorité de la couronne, etc. Donc en fait, ils font pas grand-chose. L'Andalousie est devenue indépendante et les Fatides aussi. D'accord, là, il y a une grosse révolte pour le coup. Et donc je pense que les suivants vont être les Abbassides. Si les Abbassides explosent suite à cette guerre-là, très clairement, je pense que ça va poser de gros problèmes. On va pouvoir avoir les Safaris, les Abbassides, on va pouvoir s'en occuper. Je vais attaquer les Safarides. Je vais attaquer pas pour farce, pour Sistan. Je vais le faire. C'est vraiment l'occasion rêvée de les attaquer pour récupérer des territoires. Et donc là, je dois vraiment, vraiment pas me laisser faire. C'est l'occasion maintenant. C'est maintenant ou jamais. Si je le fais pas maintenant, je pense que ça passera pas et ça va être compliqué pour la suite. Si toi tu voulais bien passer avec tes armées. Merci pour que je lève ça. Mais non, j'ai pas confiance en elle, mais je sais qu'elle me trompe. J'obtiens des crampes. Qu'est-ce qui se passe? J'aurai la peste bubonique? Par contre, j'ai pas du tout de piété. T'es en prison, t'as un titre temporaire, tu crois que je vais te donner ma fille ou quelqu'un, un membre de ma famille? Il faut arrêter. Soyons sérieux quelques instants. Intoxication alimentaire. Bon, bah, je sens que ça va être la mort proche, hein. Allez, blessure grave et défigurée. Bon, bah, tout va bien. Bon. Bon, le pape, il est en train de rien faire, là. Ils sont en train de rigoler, les musulmans, là. Petit Assad, donc normalement tous les membres de ma famille vont porter un masque. Non, même pas. J'ai une révolte bouddhiste qui est apparue. Elle est où cette révolte bouddhiste? Ok, bon. Est-ce qu'il a beaucoup d'armées, lui? Non, 2K5, il peut rien faire. Ok, je n'ai plus la blessure grave et je suis juste balafré. Ça marche. Allez, 4.8.
Et tu vois, là, ça serait l'occasion pour mes vassaux d'attaquer justement les Salafis, de récupérer des territoires, mais c'est même pas ce qu'ils font, donc c'est dommage pour moi. Bon, après, on va récupérer un lieu saint, ça me plaît. Ok, le royaume de Kiva s'agrandit, bon, pourquoi pas. Ah, le pape a gagné une bataille, semble-t-il, et ils sont en train de siéger la Terre Sainte. Ok, donc on va peut-être avoir le royaume de Jérusalem qui va apparaître. Après, royaume de Jérusalem, sincèrement, ils vont pas. Ça va pas prendre beaucoup de territoire. Ça va pas affaiblir énormément les Abbassides. Par contre, si on affaiblit les alliés des Abbassides, moi ça me va tout à fait. Ah oui, défigurer cette famille. Oui, mais alors, je pense que dans ce DLC, en fait, comme tu as beaucoup de maladies où tu, en fait, tu prends tout sur le visage, tu es très souvent défiguré, tu finis très souvent avec un masque. À moins de jamais tenter les soins médicaux expérimentaux, je pense que tu te soignes jamais, quoi. Enfin, tu t'es jamais, t'es toujours défiguré ou amputé. T'as une chance sur deux de perdre une jambe, un bras, un œil. Alors je sais pas comment ils ont joué sur les statistiques, mais perdre un membre, c'est très courant, j'ai l'impression. Ashtabad, c'est quoi? Pour 1, bah, on va voir ailleurs si j'y suis. Hein. Sincèrement. Il faudrait qu'on arrive à prendre. Ouais, si on prend 6 temps déjà, on va faire un bon gain en avant. Il faudrait faire une petite bataille. Par contre, là, on commence à avoir du monde. Les Abbasi Royaume qui vient. On a le Tahirid aussi. Et voilà, là on pourrait attaquer par exemple les Dulafides et on peut pas. Voilà, là c'est toujours les petits trucs qui font rager un petit peu en dernière minute, on peut pas les attaquer. Pourtant on pourrait récupérer. Non, c'est Hamadan qu'on a une revendication dessus, mais c'est dommage. Ça pourrait être intéressant. Et là, il faudrait qu'on puisse attaquer cette armée ici. C'est quoi ton territoire? Ah non, il a rien en territoire, je vais pas lui donner quoi que ce soit quoi. C'est enfin, c'est d'un bateau comme. Est-ce qu'on peut avoir des pactes? Non, rien du tout. Même pas un bout de pacte, rien. Ok, bon bah c'est comme ça. En tout cas, là on augmente, on va passer les 50% de score de guerre. Il nous faudrait une petite bataille pour augmenter. Par exemple, attraper cette armée-là pour gagner du score de guerre, ça serait bien. Tant que le calife a toujours sa bataille sur le dos. Et pour l'instant, le pape gagne. Manger les hommes qui essayent de tuer des membres de ma famille, les manichéens hein, qui se font une nouvelle révolte. C'est normal, tout va bien.
Ah, les populations khazars de Kizil Kum est devenue perse. Alors ça, c'est parce que justement, alors normalement, c'est du fait que je suis haut en intendance, bon, ce qui n'est pas trop le cas. Mais voilà, dans l'idée, ça peut être ça. Par exemple, ça peut être très intéressant, ce point-là.